Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Acapulco, au Mexique, état de Guerrero, la cité balnéaire sur la côte pacifique où se sont déroulés eh bien, les 9e mondiaux, championnats du monde espoir à Cesta Punta. Et nous avons le plaisir ce soir eh bien, de vous présenter la finale de cette compétition qui va opposer, c'est une première historique, deux équipes de France. L'équipe de France A formée de Ludovic Laduche et son arrière Timo Basque de Bilard face à leurs copains, leurs camarades du groupe, à savoir Andoni Lalo et Jérôme Portet, l'ariégeois de la section paloise. Alors, pour m'accompagner sur cette finale, eh bien Jean-Bernard Mortair, qui n'est autre que le kinésithérapeute de ce groupe et qui a suivi évidemment de près la compétition. Il était un interlocuteur privilégié puisqu'il a également été professionnel. Il connaît donc tous les rouages et les finesses de ce jeu. Jean-Bernard, ça devrait être une belle finale. Oui, je pense que ce soir on devrait assister à une très belle finale. On a quand même deux équipes assez proches l'une de l'autre. Il faut savoir que ce soir on va assister à une revanche d'une partie de poule auquel on a assisté il y a 4 jours. Et on a vu la grande surprise puisque l'équipe B a battu l'équipe A. Et donc je pense qu'on devrait avoir une partie très serrée ce soir. Voilà, donc rendez-vous dans quelques instants pour la présentation et cette finale entre les espoirs de la Cesta Punta française. On vous dira comment s'est articulé ce championnat, cette compétition, et notamment comment les Français sont arrivés à ce stade de la compétition. La finale du mondial de Cesta Punta à Acapulco, Guerrero. Presentamos oficialmente este partido por la gran final de este noveno torneo mundial Sub-22 de Jaegai de la Federación Internacional de Pelota Vasca trae para todos nosotros a este puerto de Acapulco Guerrero, México. Voilà, on se retrouve pour la présentation de cette finale entre l'équipe de France A avec Laduche et Basque. Ludovic Laduche et Timo Basque face à Andoni Lalo et Jérôme Portet, leur copain. Voilà donc deux équipes qui sont arrivées au bout de cette compétition avec à la fois un concours de circonstances mais également du talent. Et notamment l'équipe de France A qui s'est débarrassée de ce que l'on pouvait considérer comme les favoris désignés de cette compétition, à savoir l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, formée de Roque Alberdi et Unai Lequerica. Voilà. Donc, la petite nouveauté cette année, c'est une première historique quasiment, c'est que la finale de cette compétition proposera deux équipes d'une même nation. C'est la première fois que ça existe, que ça arrive. Et c'est un petit peu la continuité du processus qu'a mis en place la Fédération Internationale pour proposer dans les compétitions eh bien, la possibilité au pays de présenter plusieurs équipes. Et voilà pourquoi on retrouve deux équipes de France bien à ce stade de la compétition, c'est-à-dire en finale. Voilà. Alors ici nous sommes au Rayalay Acapulco, Jean-Bernard, qui est un Rayalay qui a accueilli jadis des quadros, un quadro professionnel, un Rayalay particulièrement exigeant. Oui, tout à fait. Il faut savoir que ce Rayalay est très long, il fait 56 mètres. Et donc ça va être avant tout. Une épreuve de force entre les arrières surtout. Et puis aussi l'autre particularité de ce Rayalay, c'est que le sol est très très rapide, donc ce qui fait que ce qu'on appelle les beautés corridos sont très difficiles à maîtriser. Ça, ce sont vraiment les deux caractéristiques de ce fronton. Alors il fait 56 mètres, il est spacieux, il est grand, il y a un mur de frappe qui répond beaucoup, avec des pelotes notamment qui sont parfois vives avec la chaleur et qui ont une destination particulière. Des fois elles tombent, des fois elles montent, on ne sait pas trop. Il y a quand même des caprices sur cette cancha, mais globalement on peut dire que les pilotaris se la sont appropriés avec bonheur. Voilà. Et donc on a vu quand même des belles parties, hein, des parties de très bon niveau, en partie des classifications notamment. Oui, ça assurément. Notamment la première partie qui a vu la victoire des Français de l'équipe
B française contre l'équipe B espagnole. Elle a été de toute beauté. Malheureusement, il n'y avait pas trop de public, mais la partie était absolument magnifique. Voilà, alors le choix des pelotes, on l'a vu. Les bleus, donc Ludovic Laduche, le fils de Didier Olaroy de Guétari et Thibaut Basque. Alors lui, il a gagné les titres en junior et en senior national B. Face à Andoni Lalo, le Bidartar, donc qui jouait avec Thibaut Basque en championnat. Et Andoni Lalo, il est accompagné par le surprenant Jérôme Portette, un ariégeois de 20 ans, 1m91, avec une belle frappe, et qui est un petit peu la révélation de cette compétition, parce qu'il vient de loin. Hein, il vient quand même de cette région où on ne pratique pas l'assistat punta. Il a fait l'effort, il s'est formé, et il a gravi petit à petit les échelons. Et le voici, maintenant, il vient avec... ses copains, et puis au niveau des moins de 22 ans. Voilà, donc la rencontre vient de démarrer avec évidemment les revers d'abord qui vont parler. On s'éprouve, on essaye de voir un petit peu la distance qu'il faut tenir. Voilà, Thibaut Basque qui. Et lorsqu'il est loin, on ne peut que remettre la pelote à bord parce que, finalement, comme vous l'avez dit Jean-Bernard, ce Ragnalaï, il faut la pousser. Oui, il faut beaucoup la pousser, il faut beaucoup de puissance pour pouvoir dominer l'adversaire. Et ça, c'est exactement ce auquel on assiste actuellement. Il y a un duel derrière avec deux énormes joueurs de revers. Et je pense que ça va être le point important de la compétition. Voilà, là Jérôme Portet, il a vu que la pelote avait légèrement touché le mur de gauche. Elle a été propulsée un petit peu sur la droite et il a fait le choix de la laisser tomber au sol pour savoir si elle ne sortirait pas hors des limites. Il a été bien inspiré. Et voilà donc l'équipe de France B qui marque le premier point, 1-0. Donc on rappelle que ces deux équipes étaient dans la même poule. France B avait battu France A, donc les Blancs avaient battu les Bleus. Et puis ensuite, curieusement, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que la France B... Eh bien, a qualifié ses camarades de France A en battant l'Espagne. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en tout cas, alors que là c'est Andoni Lalo, il vient de tirer un joli de mur opportunément. Un très très beau de mur, et Andoni Lalo a attrapé la pelote au 4-5 au milieu du fronton, et il n'a pas hésité à tirer un de mur magnifique, puisqu'il avait ce qu'on appelle en termes, en jargon de la pelote, la belle pelote, et il a donc fait un point magnifique. Voilà, et c'est le deuxième point, 2-0 pour les Blancs. Andoni Lalo, Jérôme Portette, face à leurs camarades, leurs copains, Laduche, Ludo, le fougueux, le bouillant, le créatif, et Thibaut Basque qui a assurément, on le rappelle, hier, sorti une partie énorme, puisque c'est cette équipe qui a battu. Alors là, voilà, un cas de figure un peu particulier, le pelote qui a échappé... Jérôme Portet, la fille à droite. C'est la grande finale. Oui. Et c'est un point hasardeux, un point de chance. Mais bon, voilà. Dans les termes de la sesta punta, la pelote a fait ce qu'on appelle un estraño, c'est-à-dire qu'elle a une trajectoire un petit peu flottante qui a échappé sur le côté droit. Et ça, malheureusement, c'est dû à l'irrégularité du mur de face de ce fronton. Voilà, 3-0 pour les Blancs. Andoni Lalo et Jérôme Portet qui ont bien démarré ce fronton. Avec Jérôme Portet et son revers lourd. Et même lorsqu'il prend en bas, bien cette pelote va loin. Et ça, c'est peut-être une des clés, jouer de la droite, pour essayer de fixer un petit peu Andoni Lalo, qui quand même est très mobile, a des belles qualités de préhension, et qui est capable de faire de très très belles choses. Ludovic Laduche qui rebote parfaitement. Alors là, la pelote paraît assez régulière, quoi. Elle n'est pas trop vive, elle n'a pas chauffé encore, donc ça permet de voir du jeu. Exactement, ça c'est une stratégie, hein. Étant donné que Portet a un très très revers très très lourd, il va avoir tendance à choisir une pelote un peu morte, une pelote avec la peau neuve, et à l'inverse, les Bleus vont plutôt choisir une pelote un petit peu plus vive. Et pour le moment, c'est une stratégie qui leur est si bien, puisqu'ils mènent déjà 4-0, et c'est déjà surprenant aujourd'hui. Grosse surprise. Voilà, on a un petit peu de mal à trouver les mots ici parce que le speaker qui est très véloce, qui commente, qui, eh bien, parfois on couvre notre commentaire avec sa voix de stentor.
Voilà, donc il faut nous excuser si parfois, eh bien, on a des petits problèmes pour vous dire les choses. Mais c'est un petit peu le sport national ici au Mexique, on aime bien commenter, argumenter, faire du bruit. Et puis bon, ça fait partie de la culture locale, alors que chez nous, les parties sont silencieuses. Beaucoup plus silencieuses, effectivement. Voilà donc Andoni Lalo qui va tenter. Mais pour le moment, si je peux me permettre, oui. On assiste à un début de partie parfait pour les Blancs. Hein. Ils n'ont pas fait une erreur. Et pour le moment, c'est ils jouent à la perfection. Ah, voilà, un lâcher tenté par. Waouh. Bruno Lanuche, il aime beaucoup cet exercice-là. Il en a usé et abusé en demi-finale. Pas évident, hein, de. Non, c'est pas évident. C'est un geste par-dessous. Techniquement, c'est très difficile, un geste très difficile à maîtriser. Et là, eh bien, il a surpris Andoni Lalo, qui a effectué une course, mais n'a pu rattraper cette pelote. Voici donc les Bleus, eh bien, ravis d'inscrire ce premier point, 4 à 1. Et automatiquement, comme vous pouvez remarquer, il change aussitôt de pelote. Hein. Voilà. Changer un petit peu la stratégie. Chaque équipe a sa pelote, certains préfèrent une vive, d'autres ont choisi une pelote un peu plus morte. Et voici Ludo Lanuche. Il va engager. Voilà, il enlève, comme on dit, la pelote à l'avant adverse, c'est le but. Hein. Oui. On n'est pas que son arrière soit mis en difficulté. Thibaut Basque aussi, il a une belle allonge. La pelote, elle tombe, wow, elle reste. Wow. Elle a heurté une irrégularité dans le mur du fond. C'est pour ça que la pelote est restée complètement et c'est pour ça que Andoni s'est retrouvé court. Mais là, c'est dur. Une irrégularité du mur du fond. On a bien entendu le son, un son creux. Elle est restée, comme on dit. Elle est restée de sortir, effectivement. Mm-hmm. Ça a surpris Andoni Lalo. Deux pour les bleus, et quatre pour les blancs. Équipe de France B qui mène. Aussi Ludo Lanuche qui est remote de la droite. Pas assez fort Andoni Lanuche à lui. Andoni Lalo, il tape le ras de ré, mais c'est pas très très bien tapé, ça ressort. Mucho. Son portée qui vient de décoller un petit peu la peinture des murs là, en sortant cette pelote. La droite de Thibaut Basque. Et tout le monde s'applique pour ne pas faire la frappe. Ouf. Un peu gourmand sur le mur. Il est un peu loin pour tirer le demi-mur là. Alors, il est un peu loin effectivement pour tirer ce demi-mur. Il a essayé et ça remet les bleus eh bien, dans la course, 3 à 4. Voilà, ça c'est un petit peu le défaut des jeunes, c'est qu'ils parfois ils se précipitent, ils veulent faire des choses. Ça part d'un bon sentiment, il y a de la bonne volonté, mais après quelquefois, eh bien, on se perd. Mucho. Il sort une belle pelote du mur du fond. Wow. Là aussi un joli petit pronto hein, d'Andoni Lalo. Wow. Encore une fois. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse. Hein. On l'a vu, la différence par rapport à la partie précédente, où, bon, avec une équipe du Mexique évidemment faible, on n'avait pas ce niveau de jeu. La faute de Thibaut Basque, du revers. Et toujours donc les Blancs en tête, 5 à 3. Évidemment, on peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas une équipe mexicaine au bout ou une équipe espagnole. Ça aurait fait peut-être, ça aurait permis peut-être au public de prendre un petit peu parti. Là, il faut bien dire que, évidemment, dans ce contexte-là bien particulier, eh bien, voilà, on ne peut pas, a fortiori parce que ce sont des Français, le public ne peut pas véritablement s'enflammer et encourager l'une ou l'autre équipe. Mais, mucho. Joli radoré, mais Portet était vigilant. Ça ne fait rien. Nous, on prend notre plaisir et on est ravis de voir nos jeunes à ce niveau. Oh, yeah. Lalo. Oh, aïe. Oula, il y a tout le monde s'en mêle un peu le pinceau. Magnifique, magnifique. Et voilà. C'est une belle pelote de Jean-Bernard. Par-dessus l'épaule piquée, il a mis le pet. Oui, on assiste à un très bon. Un très bon niveau de jeu, très, très varié, on voit tous les coups de la Cesta et c'est une très très jolie partie, ça a très très bien commencé, on a commencé sur des très très bonnes bases.
Voilà, Ludovic Laduche qui enlève le but à son adversaire. Jérôme Portet avec son gros revers. Et Thibaut Basque qui lui aussi eh bien, n'est pas en reste. Ah, ça c'est une pause qui était collée. Oui, assurément. Comme on dit vulgairement, elle était derrière la peinture. Elle était très 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 difficile à attraper parce qu'elle était vraiment collée contre le mur de gauche. Donc la faute est vraiment excusable, si on peut dire que c'est une faute. Hein. Voilà, les pelotes collées sont toujours difficiles à récupérer. Là, Ludo Laduche, il a failli se faire surprendre par le rebond, mais son but est tout à fait licite. Alors Jérôme Portet, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Alors là, Andoni Lalo a voulu la récupérer Monte Pronto, mais voilà, Ludo Laduche vigilant, à côté, en mettant le pet. Jérôme Portet, vigilant. Voilà, il y a de la belle gestuelle de la droite. Hein. Très belle droite de Ludovic Laduche. On a senti beaucoup de puissance dans sa droite. Elle était très très bien ajustée. Voilà, le jeu de Sesta Punta, c'est aussi un jeu où la fameuse droite doit être utilisée non seulement par les arrières quand ils le peuvent, mais aussi par les avants. Voilà, hein, parce qu'avec cette droite, on peut faire plein de choses. On peut attaquer, on peut déplacer le jeu. C'est assurément l'arme fatale. Hein. C'est ça, dès que la pelote s'ouvre un petit peu à droite, lorsqu'on lance la pelote de la droite, automatiquement, on rend le jeu très très difficile parce que la pote vient mourir sur le mur de gauche avec beaucoup d'effet et la réception est toujours très difficile. Voilà, Jérôme Portet qui prend son temps, un peu trop parfois. Hein, on lui a reproché de garder la pelote. Là, il a encore une fois, il a sorti une grosse pelote du mur du fond. Et l'avantage de la situation, c'est que ces quatre joueurs montrent au public mexicain eh bien, qu'il y a de la qualité. Après tout, voilà, c'est une belle démonstration avec ces jeunes-là qui varient les coups, encore les droites utilisées. Et ça, c'est la patte à Fifi et Echeverri, parce qu'on le connaît, l'entraîneur Cibourrière aujourd'hui. Oh, très joli. Costado de d'Andoni Lalo. Heureusement qu'il a été frappé fort. Frapper fort, mais il faut savoir aussi que ça c'est une autre spécialité de ce fronton, puisque ça a été appris par l'ancien professionnel qui a joué pendant plus de 2 ans ici, et Christophe Sanchez. Il faut savoir que le demi-mur ici n'ouvre pas bien. Autrement dit, c'est très difficile de travailler, de taper un demi-mur de façon à ce qu'il rentre complètement dans le filet. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Le Costa avait l'air d'être très très bien tapé, mais il ne s'est pas beaucoup ouvert. Et Laduche est presque arrivé à réceptionner cette balle. Voilà, heureusement que la pelote était violente. Ouais, elle venait très vite, effectivement. C'est pour ça que Andoni Lalo a été. Ludovic Laduche a été surpris. Voilà, ça fait 6 partout. Ces deux équipes proches l'une de l'autre, elles l'ont prouvé auparavant, se tiennent également ce soir. Waouh! Pelote récupérée in extremis de la droite par Jérôme Portet. Oh my God. Et là, alors là, voilà. Il y a une situation de jeu qu'on va expliquer, c'est le Pumpa. Voilà, donc la pelote qui rebondit dans le Gistera qui ressort, c'est une faute. Oui, c'est une très bonne intervention de l'arbitre. Effectivement, la pelote a rebondi. En fait, dans ce cas-là, elle a rebondi sur le cerceau, sur le bord du Gistera. Et dès l'instant où elle sort du gant, eh bien, elle doit être sanctionnée. Et le juge a très très bien intervenu dans ce point-là. Il n'y a pas de doute à avoir. D'ailleurs, le joueur ne s'est même pas. Il ne s'en est pas plaint. Non, il n'a même pas protesté. Donc 7 à 6 pour les Blancs qui sont repassés devant, mais ces deux équipes se tiennent. La preuve, Ludovic Laduche frappe une pelote tendue du revers et provoque la faute sur Jérôme Portet, dont l'un des petits défauts est peut-être la mobilité. C'est un grand gaillard et c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins à l'aise sur les pelotes lorsqu'il faut qu'il se déplace. Exactement. Il a le défaut de ses avantages, c'est-à-dire une énorme puissance, un énorme revers. Par contre, il manque un petit peu de mobilité. Ouais, il est tout neuf, il a 20 ans, il a encore le temps de travailler sa physique et de peaufiner ses défauts. Thibaut Basque qui lève bien.
Moi, j'ai vu Jérôme porter très facile avec ce revers lourd et lent. Et qui met... Ah là, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, Andoni, parce que... Oui, Andoni aurait dû rentrer sur la pelote. Même s'il avait un beauté corrido difficile, il aurait dû rentrer là. Parce que s'il avait, il était rentré sur cette pelote, il avait tout le cours ouvert, toute la cancha ouverte, et il pouvait sûrement faire le point. Et malheureusement, il n'a pas osé. Et après, Jérôme Portet a été pris par la vivacité. Une pelote qui est montée, oui, qui est montée très vivacité haut. Vivacité du bon. Rappel, voilà. On rappelle que le bon ici est très très rapide. Hein. Alors, ça fait 8 à 7. Et donc, c'est les deux équipes qui sont au coude à coude. Hein. Voilà. Et toujours les revers d'abord. Pour s'éprouver un petit peu. Voilà, avec. Aïe! Ah, une pelote qui a touché le haut du mur de gauche, là, la partie où les drapeaux des nations ont été exhibés. Et 8 partout. Voilà, les bleus qui étaient passés devant. Et maintenant, eh bien, égalité parfaite, une course-poursuite comme on pouvait le prévoir. Si on peut faire le point sur cette première partie de la première manche, on assiste à une partie d'une excellente qualité technique. Hein. C'est vraiment du très haut niveau. Voilà, il y a de la posture, il y a toutes les coups déclinaisons sont... et de la sesta punta. Voilà. On vient prendre des nouvelles superbes. Peut-être profiter du fait qu'il soit un peu décalé et de la vitesse de la pelote pour remonter en se jetant. Oui, mais là aussi, on a assisté à ce qu'on appelle dans le jargon un estragno. La pelote n'est pas sortie de manière régulière. Hein. Elle a fait un effet bizarre. Hein. C'est pour ça qu'il a été pris par. Il a été complètement déporté sur la droite de la cancha. Alors, 9 pour la Duche et Basque, 8 pour l'anneau et Portet qui sont en blanc. Voilà, les deux équipes, les quatre copains se livrent une bonne partie de bourre et de temps en temps on assiste comme ça un petit errement, mais voilà. Errement, enfin, c'est quand même une pelote très difficile à attraper. Elle était en bas. Très bas, à gauche, en bas, c'est pas facile. Hein. Voilà, et donc c'est, on va dire, pour la deuxième fois de la partie, les bleus qui passent en tête avec une petite avance de points, 10 à 8. Alors que Portet, lui, distribue avec son revers bazooka, sans état d'âme. Mais les blancs, eh bien, sont vigilants. Les bleus aussi, Thibaut Basque, impeccable au fond de la cancha. Voyons. Mucho, mucho. Très jolie beauté pour l'homme, c'est-à-dire, on réceptionne comme un drop la pelote, on la sauve. Aïe. Là, le problème, c'est qu'il a entamé une course et il n'a pas pu, évidemment, contrôler la pelote puisqu'il était lancé. Et bon. Non, c'était une pelote difficile. C'est sûr que s'il l'avait attrapé à la volée, à la idée, il allait dominer le point, mais il a fallu faire un sacré démarrage. Mais malgré sa vélocité, je crois qu'il a été un petit peu gourmand. C'était une pelote difficile, difficile. Voilà. 10 à 9, 10 pour l'équipe des bleus et 9 pour les blancs qui avaient bien démarré avec un 4 à 0 et qui se sont vus rejoindre petit à petit. C'est une partie très serrée et très indécise pour le moment. Ah, est-ce qu'il a touché? Heureusement qu'il n'a pas touché. Ludo Laduche qui rebote plutôt bien. Magnifique, magnifique. Et voilà, 11 à 9 pour les bleus. La Duche est en train de faire une partie très très solide. Hein. Il a eu quelques errements en demi-finale, mais là aujourd'hui il est vraiment très présent. Alors ce garçon, c'est le fils de Didier Laduche, qui fut un excellent joueur de grand schistéral guitariste, mais de Balil également, trinqué. Et lorsqu'on voit le fils, on ne peut pas s'empêcher de penser au papa, puisque ils ont la même intonation de voix, le même type de physique, la même décontraction trompeuse. Il y a assurément un joueur avec beaucoup de talent, avec beaucoup de potentiel. Alors Didier Laduche n'a jamais joué à Sesta Punta,
effectivement, Ludo, il a la Hurra Sesta Punta, c'est-à-dire une Sesta Punta joyeuse, créative, gaie. On se pose pas de questions, on attaque. Et c'est finalement l'essence même du jeu. Exactement, exactement. Même s'il faut gérer, mettre en place des choses, eh bien, c'est ça qu'on va voir, c'est cette espèce de frénésie plus ou moins contrôlée. Et là aussi, super constante. D'Andolin Allo, celui-là est bien tapé. Magnifique, parfait. Il a été tiré d'une manière parfaite. Donc la partie reste toujours aussi indécise. Et oui, 11 à 10 pour les bleus, mais les blancs qui reviennent, qui sont à un point. Alors ces garçons se connaissaient bien, ils ont effectué une préparation de 6 mois ensemble, mais ils se connaissaient auparavant parce qu'ils se sont croisés dans les petites catégories, dans leurs clubs respectifs. Donc voilà, c'est vraiment une équipe de copains. Mais ce soir, ils ne se font pas de cadeaux. Hein, ah non, mais il n'y a pas de cadeaux, c'est clair. On est champion du monde, la France est champion du monde de 22 ans, mais... voilà, on ne se fera pas de cadeaux. Là, il y a un petit errement de Jérôme Porté qui aurait dû rentrer cette pelote à la volée. Et malheureusement, elle est très très mal sortie, elle rebote pour Andoni. Et ce qui explique. Voilà, alors là, c'est une belle. Regardez ses jambes. Quelle jambe. Il a les cannes, Ludo Ladeuche, il a récupéré, se lâcher. Quelle rapidité. Du revers de Andoni Lalo. Et là, c'est reparti pour une session au fond. Bien, ça joue très très bien. Il est campé au 15, Thibaut Basse qui fait front, il fait de la résistance pour l'instant, mais c'est ce qu'on lui demande. Sauf qu'ici. Non. Réception magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Elle a été sifflée. Ne vous enflammez pas, Jean-Bernard. La réception a été magnifique, mais il a apparemment. Elle est sortie. Alors il faut quand même expliquer à nos auditeurs que ces réceptions-là, vous avez la. Moi, en tant que carrière, il faut beaucoup de courage et de témérité pour oser rentrer ces pelotes-là parce qu'elles viennent à 200 km/h, vous avez le mur de forme juste derrière vous et si jamais vous la loupez, vous pouvez la prendre sur la tête. Donc, c'est des pelotes, on a souvent très peur d'essayer de les attraper. Donc, il y a beaucoup de courage, beaucoup d'adresse, de témérité et c'est absolument ça que je veux souligner. Alors, Jean-Bernard, donc ça veut dire que les arrières sont des gens courageux et pas les avant, voilà. Non. Ce que je veux dire, c'est... Non, j'ai bien compris. Effectivement, ça peut être dangereux aussi. Très dangereux. Alors là, donc, pendant que nous déclarons des bêtises, les Bleus sont en train de, tranquillement, d'arriver à... d'asseoir leur suprématie dans là, on a assisté à ce qu'on appelle un resto du saké et un revers magnifique de Basque qui a tiré la pelote à la Chula. Ça, c'est l'arme imparable. De la Sesta Punta, des arrières notamment qui ont des gros revers comme les deux joueurs que nous avons ce soir. Voilà, 13 à 11 pour les Bleus qui ont une petite option pour cette première manche. Des Bleus qui ont été héroïques face à l'Espagne en demi-finale hein, avec une victoire au trip lors de la troisième manche. Aïe. Et là, ses jambes. Ludo Ladeuche a sauvé cette pelote qui allait le dépasser à des rebotes. Andoni Lalo, il tire en radoré, c'est pas très bien tapé. Non. Trop fort. Allez. Et là, on se prépare pour les rebotes. C'est pas mal. Petit masque du revers. En ligne. Oh my. Une fois de plus, Thibaut Basque est en train de prendre la partie. En mer, on assiste à des excellents revers, exactement comme il a fait en demi-finale. Voilà, 14 à 11 pour Ladeuche, Ludovic et Thibaut Basque. 11 pour Andoni Lalo et Jérôme Portette. Les Bleus à un point de la première manche. Un but puissant qui a été enlevé. Jérôme Portette toujours pareil avec son grand revers. Les rebotes de Ludo Ladeuche. Les rebotes magnifiques, hein. Très très bon les rebotes. Ah, il décolle une belle pelote aussi Ludo. Là ça va très loin, très vite. Il va falloir qu'il aille pratiquement aux 4 en Ludo. Les rebotes.
qui va sortir aussi loin. Mais là, ouais. Il y a des jambes qui n'ont pas été bien positionnées. Et puis, il a voulu forcer la pelote. Puis c'est des balles difficiles à contrôler parce qu'elles sortent d'escapade, comme on dit dans le jargon. Et elles sont très très difficiles à contrôler. La pelote fuit en hauteur sur la droite. Et la luche a été un petit peu déséquilibrée. Et c'est pour ça qu'il a touché le bout de gauche et la pelote est sortie. Voilà, qui est demandé par l'une des deux équipes. Je vous avoue, je ne sais pas laquelle. Mais bon, peu importe. 14 à 12 pour les Bleus. Ludovic Adulchi, Thibaut Basque, à 2 points de cette première manche. Et donc, c'est important de gagner une première manche aussi. Moralement, on assoit les choses et on a moins de pression pour la deuxième. Ah oui, c'est fondamental, surtout avec ce système de jeu de 7 qui ne fait pas l'unanimité chez les anciens joueurs. Mais enfin, il faut s'adapter au nouveau système. Effectivement, c'est très très important de remporter la première manche. C'est tout aussi important de bien commencer la seconde. En fait, ce système de 7 nivelle un petit peu les valeurs et il y a un impact psychologique qui est très très important. Donc pour le moment, on assiste à une très bonne partie, très indécise. Et on va voir ce que ça va, on va voir comment il va évoluer. Voilà, la promesse faite d'un face-à-face intense et bien... a été tenu puisque le 14 à 12 sanctionne eh bien, un bras de fer sans concession entre les copains de cette sélection tricolore. On va parler aussi de Domingo Marcoucheux, le landais de la SOSOBOR, qui avait remplacé au pied levé en poule en Dominalo, victime d'une contracture, et Domingo Marcoucheux qui a fait une très très belle prestation aussi en gagnant cette rencontre avec son camarade qui remportait. Il maintenait l'équipe à flou. Et puis Alexandre Musinello qui n'a peut-être pas le meilleur rôle, puisque ce garçon était remplaçant. Il n'a disputé qu'une partie, mais il a toujours été proche de ses copains. Il a encouragé ceci. Et vraiment, c'est méritoire de sa part, parce que c'est pas évident quoi, de rester sur les gradins alors que les copains jouent. Voilà, donc c'est la fin de la première marche. Voilà. Alors le dernier point, c'est de rouler. C'est déroulé d'une manière. Alors il faut savoir qu'un autre facteur important ici, c'est le but. Le but, la pote est difficile à diriger au but. Le mur de face étant très, très, très irrégulier. Et ce qui s'est passé, c'est que l'allo a buté, le but a été intercepté à la volée par l'avant adverse et il a tiré ce qu'on appelle une pelote baronasso qui a permis de conclure la manche pour l'équipe bleue. L'équipe... 15 à 12 pour François. On se retrouve dans quelques instants pour cette deuxième manche.